you ever felt. Are you listening? Damn. Coucou les filles, bah écoutez, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo sur ma routine sur ma routine capillaire. Voilà, enfin routine on va dire, routine mais en 10 points, c'est-à-dire pas que du soin, mais ce que je fais en général et ce que j'ai fait depuis un moment pour avoir cette longueur-là. Donc faut savoir que quand j'étais enceinte d'Hugo dans les derniers mois, j'avais les cheveux jusque-là. La première vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne, ou dans les premières vidéos, je ne l'ai jamais publiée en fait parce que j'étais comme ça, j'étais gonflée de la chaleur et je l'ai vue et ça m'a rappelé des souvenirs. Vous ne la verrez jamais. Et j'ai les cheveux qui sont ici. Vous pensez bien donc que je suis ravie et que je vais partager mes 10 choses à faire ou trucs ou astuces avec vous. Bien sûr, j'ai fait j'ai créé une vidéo spéciale avec 60 astuces pour avoir les cheveux qui poussent plus vite. Donc, je vous la mettrai en barre d'infos dans tous les cas. Et on va commencer tout de suite avec la première chose à faire. Donc, pour moi, c'est de me laver les cheveux avec un pain de soufre et plus avec du shampoing classique qui sont blindés de silicone, phtalate, phosphate, méthylisothiazolinone, alcool, etc. Je ne comprends pas comment dans des produits pour le cheveu, on vous met de l'alcool alors que c'est un truc qui assèche le cheveu. Comment tu veux m'expliquer ça? Tu veux m'expliquer? Donc voilà, moi j'utilise un pain de soufre, donc c'est uniquement en massage sur le cuir chevelu. Donc ça permet, quand vous massez, bien sûr, d'irriguer la fibre capillaire, ce qui fait que ça pousse plus vite, bien sûr, vu que c'est irrigué. Hein, ça amène tous les nutriments à la racine, donc ça permet au bulbe de se libérer et de pouvoir pousser. Tout simplement, et aux cheveux de pouvoir pousser. Donc ça, premièrement. Deuxièmement, je ne me coiffe plus. Non, pas que je me coiffe plus. Mais j'utilise la tangle teaser si j'ai besoin de dénouer mes cheveux. Avant, surtout, je dénoue avant sur cheveux secs, pas sur cheveux mouillés. Ensuite, qu'est-ce que j'avais à vous dire aussi sur la tangle teaser? Y aller du bas, comme ça, pour dénouer, en remontant, tout doucement. Et pas y aller comme ça. C'est clair, vous allez vous retirer des cheveux par poignée. Donc ça, c'était mon deuxième truc. Mon troisième truc, je lave mes cheveux une fois par semaine. Voilà. En général, avec le pain de soufre, ça rééquilibre le scalp. Du coup, j'ai beaucoup moins tendance à regresser. Donc, j'ai beaucoup moins recours au shampoing traditionnel sous la douche. Enfin, au pain de soufre, le savon, quoi. C'est sous forme de savonnette, hein, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, et qu'est-ce que j'ai marqué ? Toujours un soin nourrissant. Alors, je suis obligée d'en terminer que j'avais acheté à différentes reprises. Donc, il y a toujours des alcools, des machins. Mais au moins, ça nourrit un minimum les longueurs et les pointes. Toujours un soin. Quand j'aurai terminé ce que j'ai d'avance, je ferai attention à acheter quelque chose beaucoup moins toxique pour mes cheveux. Sans silicone, sans parabènes, sans méthylisothiazolinone, sans tout ça, un peu plus clean, on va dire. Et donc c'est ce qui m'amène à cette routine un peu low poo. Voilà, c'est ça le low poo, c'est quand on fout la paix à ses cheveux, en gros, qu'on laisse le sébum aller directement sur la racine pour prévenir les agressions de la vie, hein, c'est clair. Se laver les cheveux le moins possible, tout ça quoi. Ensuite, je mets toujours cette huile là, la Mythic Oil, sur les toutes pointes, hein, vraiment les pointes, pour éviter la fourche. Car la fourche, en fait, c'est pas que vos cheveux ils poussent pas vite, c'est juste que quand le cheveu pousse à la racine, mais que la fourche elle casse et que ça remonte dans le cheveu, tu vois, forcément t'as l'impression que ton cheveu il grandit pas. Sauf que c'est parce que tu sais, ta fourche, soit tu le coupes, soit tu la traites, mais vaut mieux la couper et traiter ensuite. Ça évite l'apparition des fourches, parce qu'une fois qu'elles sont là, c'est foutu, hein, faut les couper. Donc forcément, à l'intérieur, on va trouver des trucs qui sont, quoique celui-là, non, ça va. Ça, franchement, celui-là, ça peut encore aller. Donc ça,
Voilà, sur les pointes pour éviter les fourches et que la casse remonte. Et que du coup, c'est sûr que je ne sais pas si tu as bien compris le concept. Si ça pousse comme ça, mais que ça remonte comme ça, forcément, à un moment, tu vas te retrouver avec des cheveux courts, quoi, si tu fais rien. Donc, voilà pour ça. Ensuite, peu ou pas de chaleur. C'est vrai, les boucles, il y a des alternatives pour ne pas utiliser de chaleur. Ça, c'est mes cheveux naturellement séchés. Hein, voilà, je ne sèche pas aux sèche-cheveux. Ou quand je le fais, c'est de manière très spartiate, quand j'ai vraiment un coup besoin de chaleur pour aller vite. Mais sinon, le dire peu ou pas de chaleur, c'est très bien. Et pas d'exposition non plus au soleil. La chaleur, c'est aussi le soleil. Donc les UV, les machins qui peuvent fragiliser vos cheveux. Ensuite, donc hein, ça regroupe le fait que ça sèche à l'air. Hein, je ne vais pas vous faire un dessin. Ensuite, la sortie de douche. Excusez-moi. Ouh. Qu'est-ce qui s'est passé? Pardon. Je disais donc, la sortie de douche, je la fais au t-shirt. Donc au lieu de mettre une serviette en coton sur le scalp, j'utilise un t-shirt parce que la serviette en coton absorbe l'humidité, donc absorbe forcément l'humidité de vos cheveux. Donc même si c'est l'excédent, une fois que... Il faut surtout pas la garder, hein, il faut vraiment éviter d'avoir du coton sur vos cheveux pour éviter que ça absorbe l'hydratation du cheveu, quoi, tout simplement. Donc ça... Forcément, l'astuce marche pour la sortie de douche, mais aussi quand vous vous couchez. Mettez votre t-shirt, hop, vous fermez, vous dormez. Parce que, ou alors vous changez l'été d'oreiller, que ce ne soit pas en matière coton. Voilà, mais quand même. Faut pas que ce soit trop en relation avec le coton. Ça absorbe, c'est clair. Ensuite, évitez de frotter comme ça, parce que la fibre capillaire, vous allez l'abîmer. Donc on frotte pas, on laisse. Le t-shirt et on vient presser tout doucement comme ça, mais sans, tu vois le truc quoi. Il faut foutre la paix à ses cheveux, tout simplement. Moi, à mon niveau, j'utilise beaucoup de compléments alimentaires. Bon, bien que ces temps-ci, j'ai un peu abandonné parce que ça coûte quand même et puis j'ai pas eu forcément les finances. Mais la spiruline, hein, et la gelée, non, la levure de bière sont vos alliés pour avoir des cheveux, bien sûr, qui poussent plus vite. Mais bon, je parle sur 18 mois, donc pendant ces 18 mois, j'en ai beaucoup, beaucoup utilisé. Et aussi les œufs. Si vous mangez des œufs, il y a tout ce qu'il faut pour le cheveu. Bah, tout simplement. Mais il faut les manger, hein. Pas la peine de s'en tartiner. Vous pouvez le faire. Mais à la base, c'est à l'intérieur que ça se nourrit. Et la dernière chose que je fais, parce que je vous avoue que les bains d'huile, etc., je pourrais en faire, mais j'ai pas le temps et ça en met partout et voilà, ça me saoule. Alors, ce que je fais, c'est pour espacer les shampoings. Bien sûr, j'utilise un shampoing sec, mais que je fais à la maison. Donc avec de la maïzena et du cacao. Voilà, parce que le cacao, ça sent bon. Et comme ça, vu que le cacao a la faculté d'être foncé pour mes cheveux bruns, ça évite d'avoir comment dire, la maïzena blanche qui ne s'enlève plus du cheveu. Donc je fais ça, mais sinon vous pouvez très bien utiliser un shampoing sec, hein, parce qu'il y en a qui s'en foutent des compositions. Moi je m'en fous pas, donc je préfère à la limite de la farine, de la maïzena, avec du cacao, pour avoir quand même des cheveux qui sont semi-propres, on va dire. Parce que ça quand même absorbe le sébum. Et quand vous brossez, il n'y en a plus. C'est parti et c'est reparti. Donc en gros, je ne sais pas combien de points j'ai évoqués avec vous. Mais je pense qu'il y en a 10. Et de toute façon, je vous ai donné quelques alternatives à chaque fois. Donc si vous voulez, on peut compter plus. Et j'espère quand même que ça vous aidera pour savoir comment j'ai pris 40 cm en si peu de temps. Parce que bon... 18 mois, c'est quand même relativement court. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura répondu à certaines filles qui m'ont demandé un petit peu comment ça se passait à la maison. Et puis, pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao! Are you listening?